dit techniquement, quand on a 15-16 ans, on doit être au point. Quand on n'est pas au point à 15-16 ans, et au niveau de la maturité, c'est pareil, il y en a qui sont matures, et puis il y en a, ils ont 25 ans ou 30 ans, ils sont toujours pas matures. Donc je pense que c'est un don de la nature, ou c'est quelque chose qui arrive génétiquement. Là, peut-être ses parents ils sont comme ça, et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Mais c'est pareil pour la technique. Un garçon qui a 20 ans qui ne sait pas faire une diagonale, c'est embêtant. Mais à partir du moment où on veut avoir une bonne relance, c'est sûr que dès qu'il y a un ballon entre deux et qu'on met une chandelle, c'est plutôt emmerdant pour relancer. Donc lui, dans n'importe quelle circonstance, il est capable de mettre un bon ballon de relance. Et comme si on veut avoir du jeu, il faut partir de derrière, c'est les latéraux qui ont une grosse responsabilité. Surtout, moi j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aux latéraux pour la construction du jeu. Je leur demande de s'orienter très vite vers l'avant pour prendre leur responsabilité. Donc voilà, il est dans ce que je lui demande aujourd'hui. Après, il aura des hauts, des bas, mais je pense qu'il mérite de continuer pour l'instant.